Par qui toute chose existe et rien de ce qui est n'a été sans toi. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons parce que tu es amour. Merci Seigneur d'être avec nous ce soir. Merci de nous confier à ta présence. Merci Seigneur de nous donner accès à ces conseils divins. Merci Seigneur de partager avec nous tes secrets au nom de Jésus. Car la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et Seigneur, il t'a plu aujourd'hui de nous révéler ces choses que tu as cachées aux savants du monde. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur partout où nous nous trouvons. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. J'aimerais, avant de commencer mon propos, commencer d'abord par saluer Maman Raïssa Samantha, que Dieu bénisse. Pour votre loyauté, pour votre loyauté et la promptitude avec laquelle vous servez le Seigneur, coup de chapeau. Je salue Maman Edith, ma belle Akoukou à partir de Californie, et San Diego, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la petite Esther, que Dieu bénisse son papa ainsi que ses Yaya, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Ben Yahweh Adolphe Kasonga, depuis l'enfant, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse Daniel Momat là au Congo profond. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le frère Junior Mambou de Silas. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux. Vous tous qui êtes là avec vous, nous. Nous bénissons Dieu parce que vous êtes là en train de nous suivre maintenant. Que le Seigneur vous comble et je suis sûr et certain que Dieu va encore nous faire du bien aujourd'hui. Alors, la première des choses que je vous demanderai à faire, c'est de commencer à partager cette vidéo. Partager la vidéo pour que nous soyons plus nombreux. Non pas plus nombreux dans le sens d'être plus nombreux à Jésus, à visionner la vidéo, mais plus nombreux à être édifiés. Amen. Et n'ayez pas toujours l'habitude de suivre après. Je sais que beaucoup d'entre vous ont épuisé la charge de leur téléphone, ont épuisé l'énergie, ont épuisé les mégas, parce que beaucoup étaient en train de scotcher, en train de suivre le procès. Maintenant que le procès, on me dit que le procès a pris fin. Donc, revenez maintenant, nous allons écouter le procès de notre destinée. Okay. Que Dieu soit béni. Vous savez, en suivant une partie du procès, la leçon que j'ai pu tirer, c'est que dans la vie, il faut être humble. Il ne faut pas être méchant dans la vie, il faut être humble et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Nous continuons avec notre message comme nous l'avions dit, nous l'avions annoncé, nous avons introduit le dimanche et hier nous sommes entrés de plein pied dans le vif du message et aujourd'hui nous allons continuer pour parler sur la culture de la destinée nationale. La culture de la destinée nationale. Nous avons dit que lorsque nous parlons de la culture de la destinée nationale, nous voulons simplement interpeller l'Église que nous sommes pour avoir la conscience. La conscience et agir en fonction de cette conscience pour comprendre qu'il existe une destinée nationale. Qu'il existe au niveau national une destinée. Et nous, en tant que citoyens, ayant une double citoyenneté. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes aussi citoyens de la terre. Et en tant que citoyens de la terre, nous appartenons à une nation et Dieu nous juge aussi en fonction de ce que nous faisons dans la nation. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous considère, il ne nous considère pas simplement comme étant des êtres humains. Il nous considère aussi de par les liens qui existent entre nous et la nation dans laquelle Dieu nous a établis. Amen.
Nous avons dit la culture de la destinée nationale, c'est aussi l'intelligence de la destinée d'une nation. C'est-à-dire comprendre comment est-ce que nous pouvons trouver accès dans notre destinée, mais en passant par la destinée de notre nation. Comprendre qu'il existe un lien entre ce que Dieu dit à la nation et ce que Dieu veut faire avec nous. Bien-aimés, il y a une interconnectivité. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Impossible pour nous d'être un peuple riche si nous sommes dans un pays pauvre. Et encore, lorsque nous parlons de la nation, nous ne parlons pas seulement de la nation en tant qu'entité politico-administrative. Hier, nous l'avons dit, que la nation est avant tout une entité spirituelle. Une nation existe d'abord dans le spirituel avant d'exister dans le physique ou encore d'exister dans le droit. Amen. Alléluia. Cela est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais sans plus tarder vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi une portion des Écritures. Nous sommes toujours dans la culture de la destinée nationale. Nous allons lire Genèse chapitre, Exode plutôt, Exode chapitre 1er, le verset 7 au verset 11. Exode chapitre 1er, du verset 7e au verset 11e. Exode chapitre 1er, verset 7 jusqu'au 11e verset. Je vais lire. Les Israélites eurent des enfants et se multiplièrent. Ils devinrent fort nombreux et puissants jusqu'à remplir tout le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-les de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom, de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte, je le lisais cet après-midi au bureau et j'ai fini par découvrir quelque chose d'extraordinaire et je suis très heureux que le Saint-Esprit de ce que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Quand vous lisez attentivement ces textes de la Bible, vous constaterez que lorsque nous lisons qu'Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte, c'est faux. Israël, le peuple hébreu, a fait 430 ans en Égypte, mais pas comme étant esclave tout le temps. C'est-à-dire, Israël n'a pas toujours été esclave dans le pays de l'Égypte. Israël a vécu pendant 430 ans, mais Israël n'a pas subi la méchanceté, Israël n'a pas été exploité, les Hébreux n'ont pas été maltraités, les Hébreux n'ont pas souffert pendant 430 ans de leur séjour en Égypte. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, certes, ils ont été esclaves dans le pays de l'Égypte, certes, ils ont souffert dans le pays de l'Égypte, certes, ils ont travaillé pour faire des travaux forcés en Égypte, mais ils ne l'ont pas toujours fait. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la nature ou le statut des Hébreux puisse changer en Égypte? Suivez-moi attentivement, peuple de Dieu. Suivez-moi attentivement, peuple africain. Suivez-moi très attentivement, vous tous qui croyez en la destinée. Vous tous qui croyez qu'il existe un plan divin élaboré par Dieu depuis l'éternité pour chacune des nations auxquelles nous appartenons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que les habitants, une partie de la population de l'Égypte, deviennent du coup esclaves? Là où ils ont vécu paisiblement, la Bible dit qu'ils vivaient paisiblement, ils ont eu des enfants,
Ils se sont multipliés et ils ont prospéré. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ils ont prospéré. Ils ont eu des enfants, ils se sont multipliés et ils ont prospéré. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple qui prospérait voit son cycle de prospérité du coup être avorté, être stoppé? La Bible dit simplement parce que le diable est devenu diable. Non. Même quand ils prospéraient, les diables existaient. Quand ils avaient des enfants, Dieu existait. Vous comprendrez ici que ce qui fait que la situation d'Israël change, le statut d'Israël change dans les pays de l'Égypte, ce n'est pas parce qu'il y a eu des démons qui entrent sur scène. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers qui entrent sur scène. C'est simplement parce que le nouveau roi qui est venu régner sur Israël, qui est venu régner sur l'Égypte, pardon, le nouveau pharaon de l'Égypte, la Bible dit au verset 8 que le nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Alléluia. Le nouveau pharaon qui est arrivé au pouvoir ne connaissait pas Joseph. Donc le fait seulement pour le peuple d'avoir eu un pharaon qui ne connaît pas Joseph a changé leur statut dans le pays où ils prospéraient et ils seront désormais exploités. Donc, il est possible que l'on soit exploité. Il est possible que l'on soit maltraité dans un même endroit où hier on a prospéré, hier on a été et on s'est épanoui, hier on s'est développé. Mais le problème, c'est quoi? C'est juste parce que à la tête de l'Égypte, les Égyptiens n'ont pas changé d'avis à propos d'Israël. Les Égyptiens n'ont pas changé d'attitude vis-à-vis des Hébreux. Ce qui a changé, c'est que au sommet de l'Égypte, il y a un pharaon, et ce pharaon qui arrive, lui ne connaît pas Joseph. En d'autres termes, il n'a aucune alliance avec Joseph. En d'autres termes, il ne connaît pas ce que Joseph a apporté dans ce pays de l'Égypte. Car tous ceux qui sont venus après le pharaon de Joseph ont respecté les enfants d'Israël en souvenir, en mémoire de ce que Joseph a fait pour le pays de l'Égypte. Grâce à Joseph, ce pays n'a pas disparu de la grande crise de 7 ans. Grâce à Joseph, ce pays qui était une puissance régionale est devenu une puissance mondiale grâce à l'intelligence et à la sagesse économique que Joseph a fait appliquer au pays de l'Égypte. Donc tous ceux qui sont venus après ont regardé Israël comme étant frère de Joseph. Et ainsi, on leur a réservé leur terre d'Otan-Goshen pour qu'ils vivent paisiblement. Ils étaient heureux jusqu'à ce qu'arrive un pharaon qui, lui, ne connaissait pas Joseph. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Bien aimé, le diable n'a jamais aimé les Hébreux. Les enfants d'Égypte étaient indifférents vis-à-vis de l'avenir des Hébreux. Mais il a juste suffi qu'au niveau du leadership, qu'il a juste suffi que le régime qui est arrivé ne connaissait pas Joseph pour que la situation change. Alléluia. Alléluia. Ce qui signifie que la vie d'une nation peut s'améliorer, peut dégringoler, non pas parce que le peuple a fait quelque chose, mais simplement parce qu'il y a un changement au sommet. Alléluia. Lorsqu'il y a un changement au sommet, les choses ont des répercussions dans la base. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, je veux d'abord que quelqu'un saisisse cette pensée divine. Parce que le pharaon qui arrive ne connaît pas Joseph, alors il veut traiter Israël comme étant un esclave. L'esclavage commence quand le pharaon qui vient d'arriver ne connaît pas Joseph. C'est-à-dire, l'absence du souvenir de Joseph a conduit les Hébreux à voir leur statut changer et à devenir esclaves dans un pays où ils prospéraient, dans un pays où ils se croyaient être en sécurité. Amen. Alléluia. Donc, pour dire que lorsque nous parlons de la destinée nationale, il faudrait comprendre que c'est au niveau de la sommité, c'est au niveau du sommet, c'est au niveau du leadership que se joue la destinée d'une nation. Quelqu'un dit avec moi, amen. Quelqu'un dit avec moi, amen. C'est-à-dire, une nation, la destinée d'une nation se négocie au sommet. Elle ne se négocie pas dans les lieux de prière, dans des églises. Elle ne se négocie pas dans des chambres hautes. Elle ne se négocie pas sur telle montagne, à Lusizila, ainsi de suite. La destinée d'une nation se négocie au sommet. Le roi qui ne connaissait pas Joseph est devenu pharaon en Égypte et du coup, Israël est devenu esclave. Donc, il a juste suffi que quelqu'un ne connaissant pas pharaon devienne roi pour que Israël devienne esclave. Alléluia.
Alléluia. Ce qui se passe au sommet a des répercussions dans la base. Alléluia. Le changement qui se passe au sommet a des répercussions dans la base. J'insiste ici pour qu'un enfant de Dieu comprenne que tu as l'obligation de prier pour ceux qui nous dirigent. Parce que si toi tu ne pries pas pour ceux qui nous dirigent, ceux-là qui vont le contrôler vont diriger, vont le pousser à diriger contre ta destinée, à diriger contre ton bonheur, à diriger contre ton épanouissement. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donc, le changement qu'il y a au sommet de l'Égypte a des répercussions sur la vie des Hébreux en Égypte. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu sauver Israël pour le sortir de l'Égypte, Dieu n'est pas allé par une mégaphone annoncer aux Hébreux chacun dans sa tente pour dire que l'heure de la libération a sonné. Non, non, non. Moïse n'est pas allé dire aux enfants d'Israël, voilà ce que Dieu me dit, mais la négociation a aussi commencé au niveau du sommet. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Moïse va négocier la libération d'Israël, non pas avec les anciens d'Israël, non pas avec les enfants d'Israël, mais il va négocier dans le palais de Pharaon. Comme pour dire, là où la décision a été prise pour vous maltraiter, c'est aussi là où Dieu va négocier votre libération. Pourquoi? Parce que la destinée des nations ne se joue pas dans les églises. La destinée des nations se joue, alléluia, au sommet, dans le grand salon où se prennent les grandes décisions. C'est que l'église peut faire, c'est de se rassurer que ses prières sont orientées, non pas vers Dieu, mais orientées dans la direction des décideurs. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu amène Moïse pour voir Pharaon. La Bible déclare, lorsque Moïse a parlé pour la première fois à Pharaon, Pharaon a dit, qui est l'éternel Dieu? Donc ce Pharaon ne connaissait pas seulement Jacob, Joseph, mais il ne connaissait pas non plus le Dieu de Joseph. Qui est ce Dieu? Qui est l'éternel pour que je libère? Et à cause de cela, il a doublé la misère du peuple d'Israël. Mais bien aimés frères et sœurs, pendant que la misère était doublée, pendant que la peine des enfants d'Israël était doublée par Pharaon, les démarches pour la libération avaient déjà commencé. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas juger l'œuvre de Dieu par ce que nous voyons. Ce que nous voyons peut être le contraire de ce que nous souhaitons. Mais quand bien même nous voyons le contraire de ce que nous souhaitons, laissez-moi vous rassurer que Dieu est au contrôle. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Quelqu'un dit très fort amen. Avant la situation de Moïse, le peuple souffrait. Mais c'était une souffrance supportable. Mais quand Moïse a commencé ses démarches envoyées par Dieu, la situation s'est empirée. Mais laissez-moi vous dire, si vous comparez avant Moïse et pendant Moïse, vous croirez que Moïse est une erreur. Non, 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 non. Il y a des douleurs qui deviennent fortes, mais ces douleurs ne sont que des douleurs d'accouchement. Ce ne sont que des douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, il y a une situation par laquelle Dieu est en train de vous faire passer aujourd'hui, une situation dans laquelle la nation est en train de traverser aujourd'hui, et du coup, vous vous rendez compte, nous avons comme l'impression de perdre espoir. Mais en réalité, nous croyons perdre espoir. Et pourtant, dans le sommet, Dieu est en train de bousculer. Quelqu'un dit avec moi, amen. Quelqu'un dit avec moi, amen. Comment, quelqu'un dit avec moi, amen. C'est-à-dire, frères et sœurs, l'Église doit prendre conscience que la destinée de la nation n'est pas entre les mains des pasteurs. La destinée des nations ne se trouve pas entre les mains des prédicateurs. La destinée des nations est entre les mains des décideurs. Voilà pourquoi Romains chapitre 13 nous exhorte à toujours prier, prier pour ceux qui nous dirigent. Pourquoi il faut prier pour ceux qui nous dirigent? Parce qu'ils ne dirigent pas que les entités territoriales, ils ne dirigent pas que des personnes administratives, et ils dirigent notre destinée. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Donc, chaque jour, j'ai prié pour le chef de l'État, j'ai prié pour les ministres, j'ai prié parce que je sais que dans ces pays ici, j'ai aussi des enfants. Si je ne prie pas pour eux, si je ne prie pas pour les députés, j'ai prié pour ceux-là que j'ai élus et j'ai prié même pour ceux-là que je n'ai pas élus. Car si je ne prie pas pour eux, la loi qu'ils vont voter sera contraire à ce que j'enseigne à mes enfants. Moi, j'enseigne à mes enfants que l'homosexualité est une abomination. Mais il ne faudrait pas que demain, qu'à l'école, on dise aux enfants qu'il existe
c'est une loi 00 portant ainsi de suite pour dire que l'égalisation de l'homosexualité. Je ne prie pas pour les parlementaires parce que je les aime. Je ne connais même pas 5 d'entre eux. Mais j'ai pris pour les 500 parlementaires pour qu'ils ne soient pas l'instrument du diable afin d'apporter l'abomination dans mon pays. Car les lois que les députés votent, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, amen. Quelqu'un dit avec moi, amen. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la politique. Ça a tout à voir avec votre vie. Ce n'est pas de la politique, c'est votre vie. Ce n'est pas la politique, c'est l'avenir de votre enfant. Ce n'est pas la politique, c'est le travail de l'église. Donc arrêtez de dire, oh t'es des faits. Non, non, ça ce n'est pas faire la politique. Prier pour sa nation est un devoir pour, en tant qu'enfant de Dieu. Une obligation prophético-apostolique. Quelqu'un dit avec moi, amen. Quelqu'un dit avec moi, amen. Si vous ne priez pas pour la nation, vous irez en prison pour ne pas avoir adoré un homme. Mais depuis quand un homme est adoré, c'est lorsqu'il y a une loi qui dit, quand vous entendrez la sonnette, la trompette sonner, de partout où vous êtes, vous devez vous prosterner. Écoutez, nous aimons dire que les amis de Daniel ont été délivrés par Dieu. Ça, nous aimons bien, surtout nous les charismatiques. Dans la fournaise ardente, il y a eu la troisième personne, la quatrième personne qui est venue et qui a libéré les amis de Daniel. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi les amis de Daniel ont-ils été arrêtés? Quel a été leur forfait? Quelle a été leur infraction? L'infraction, c'est parce qu'ils avaient refusé. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire quelque chose. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Donnez-moi un amen, maman Blandine, je vais avancer. Bien-aimés frères et sœurs, nous aimons dire, ah, dans la fournaise ardente, Dieu a libéré Daniel et ses les amis de Daniel. Ils ont été libérés. Moi aussi, Dieu me délivrera. Mais attention, lisez d'abord ce que les amis de Daniel et même disent avant d'entrer dans la fournaise ardente. Nous, nous sommes heureux parce que nous voyons la finalité. Mais mettez-vous à la place de ces trois amis avant d'entrer dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous savons que le Dieu que nous prions, que nous servons, nous délivrera. Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Même s'il ne nous délivre pas. Même s'il ne nous délivre pas. C'est-à-dire, ils étaient conscients que Dieu peut les délivrer, comme aussi Dieu peut ne pas les délivrer. Mais le fait que Dieu ne nous délivre pas ne nous amènera pas à nous prosterner devant un roi. Alléluia. Devant un homme. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Parce que Dieu pouvait aussi les laisser mourir et les recueillir dans son royaume céleste pour dire, vous avez été champion, vous avez été meilleur, à cause de moi, vous êtes mort. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils soient arrêtés? C'est parce qu'une loi a été votée. Une loi, nous allons le voir plus tard, a été votée, obligeant tout homme à se prosterner devant quand il entendra la sonnette, que tout homme se mette à prosterner pour adorer la statue qui a été érigée en l'honneur du roi. Comment éviter que ces lois-là n'arrivent pas? Deux possibilités. Soit aller là où se font les lois, soit influencer l'endroit où se font les lois par des prières ciblées. Okay. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Amen. Soit vous allez là où se font les lois, soit vous priez pour qu'à cet endroit-là, la main de Dieu influence et que des lois abominables ne soient pas appliquées dans la nation. Quelqu'un donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne amen. Alléluia. Koroboshanda. Ceci est très important, bien-aimé. Ceci est très important. Le pharaon qui ne connaissait pas Joseph a inauguré l'esclavage parmi le peuple de Joseph. C'est la règle. Matin, midi, soir, nous devons apprendre à prier. On ne prie pas pour une autorité. On est, même là où vous êtes, dans la ville où vous vous trouvez, bien-aimé. Un pasteur a été déféré devant la justice parce qu'il a refusé de célébrer le mariage de deux hommes homosexuel. C'est pour le pasteur que ça a été une infraction. Et quand le pasteur arrive, il dit, je ne vais pas plaider coupable. Il a été jugé et il a été condamné. Amen.
La destinée d'une nation se joue au niveau du sommet. Ainsi donc, si vous ne pouvez pas atteindre le sommet, priez pour le sommet. Que Dieu influence ceux qui sont au sommet. Quelqu'un dit amen avec moi. Frère, 3 ans et demi en Israël, le pays n'a pas connu de pluie. Nous aimons dire Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu. Élie a prié pour qu'il pleuve. Mais nous devons voir aussi le cheminement des événements. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, frère? Comment sommes-nous arrivés là pour qu'il y ait 3 ans et demi de sécheresse? C'est bien beau de dire Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie 3 ans et demi. Mais bien aimés frères et sœurs, savez-vous combien d'entreprises ont fermé pendant 3 ans et demi? Savez-vous combien de gens ont eu le malheur de perdre les enfants à cause de la pluie? Imaginez-vous que Dieu est allé recourir jusqu'à un corbeau pour nourrir Élie. Si un corbeau devait nourrir Élie, combien de maisons sont mortes, affamées? Lisez l'histoire de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17. Lorsqu'elle dit à Élie, nous mangerons aujourd'hui et demain moi et mon fils nous mourrons. Vous pensez qu'elle allait être la première à mourir? Non, non. Avant elle, beaucoup d'autres étaient morts. Beaucoup d'autres étaient morts. Vous pensez que Dieu n'a pas le cœur? Jésus le dit d'ailleurs, qu'il y a eu plusieurs veuves à Sarepta. Mais Dieu a choisi celle-là. Dans le pays de Sidon, Dieu a choisi celle-là. Qui était même dans une ville étrangère. Une ville sans Dieu. Dieu lui a témoigné sa bonté. Posez-vous la question, combien de familles ont perdu de leurs enfants? Tala. Beaucoup, baby, nzalate. Nzala ya cause la courant et zonga. Quand on attend que le courant revienne pour qu'on prépare que c'est différent. Parce que vous savez au moins que vous avez votre riz. Ici, il n'y a rien à manger. La veuve a dit, nous mangerons aujourd'hui, demain, moi et mon fils, nous mourrons. En d'autres termes, même en parlant, elle était déjà morte. Son esprit était déjà mort. Dans son âme, elle était déjà morte. Tout ce qu'elle entendait, c'était la mort physique. Et laissez-moi vous dire, beaucoup d'autres étaient morts à cause de cette famine. Mais nous aimons voir les miracles. Nous aimons voir le surnaturel. Mais nous ne posons pas la question, le surnaturel vient réparer quoi? Le surnaturel vient redresser quoi? Un corbeau venait nourrir Élie matin, soir ou dans un torrent. Et la Bible dit, le torrent sécha. Qu'est-ce qui a fait que le torrent devienne sec? C'est parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc, des entreprises ont fermé. Des travailleurs se sont retrouvés dans le chômage. La ville tout entière, le pays tout entier était dans la souffrance, dans la pauvreté. Imaginez-vous que vous devez vivre 3 ans sans pluie. C'est-à-dire, la cité a été transformée en désert. Il y avait mort tous les jours. Mais cela était dû à quoi? Cela était dû à quoi? Pas parce que le peuple a péché, non. La véritable cause de cette sécheresse de 3 ans et demi, c'est parce que Akab, par l'influence de sa femme Jézabel, a légitimé, a officialisé le culte de Baal. Alléluia. Alléluia. A introduit des divinités païennes en lieu et place du Dieu d'Israël. Le peuple a suivi parce que Akab lui a laissé le couloir. Le peuple s'est détourné de l'Éternel Dieu pour adorer Baal et Astarté. À cause de cet acte-là, Dieu a jugé le pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous ne devenez pas intercesseur de votre nation, vous creusez petit à petit votre tombe.
On ne prie pas pour sa nation parce qu'on a quelqu'un à la présidence. On ne prie pas pour le pays parce qu'on a quelqu'un au gouvernement. On prie pour le pays parce qu'on a compris, on a la conscience de la destinée nationale. On a compris que les actes posés au sommet, au niveau de la cour royale, ont des répercussions dans les maisons des petits peuples que nous sommes. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais tu me comprends. Je vais avancer. Aide-moi, dit docteur, avance. Non, j'aimerais que tu écrives dans tes commentaires, dis docteur avance, je vais avancer. C'est pas parce qu'on a quelqu'un. La veuve de Sarepta qui allait perdre son enfant n'allait pas la perdre parce qu'elle a. Non. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Oh. Amen. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, avez-vous appris dans la Bible? Un jour, en un seul jour, plus de 3000 hommes. Un seul jour, plus de 3000 hommes en un seul jour. Il faut bien lire la Bible. Un jour, 3000 hommes sont tombés en Israël. Dieu a frappé par la peste. Dieu a envoyé un ange qui a décimé Israël, qui a décimé des enfants, des femmes et des hommes. Quel était le péché de ces hommes et de ces femmes? Ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Un deuil national. On pleurait à gauche. On pleurait à droite. Quelqu'un pleurait à gauche. Un autre pleurait à droite. Il y avait deuil national. Du matin jusqu'au soir, l'ange est passé dans les camps des enfants d'Israël. L'ange a tué. David a tellement pleuré devant Dieu que Dieu du haut de ciel a dit assez. Il a dit à l'ange assez. Pasteur Toubi, le peuple n'avait rien fait de mal. C'est le roi qui avait commis l'erreur. Qu'est-ce que le roi avait fait? Il avait fait les recensements. Il a fait le comptage du peuple. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous aimons souvent dire que la plus grande bêtise de David, c'est Bathsheba. Non. La plus grande bêtise de David, qui a affecté la nation comme jamais auparavant, c'est le dénombrement que David a fait. Il voulait savoir combien de peuples il y a en Israël. Sur combien de gens Dieu dirige. David était tombé dans ce que j'appelle le syndrome de Lucifer. C'est-à-dire lorsqu'on tombe séduit par la position qu'on a. Lorsqu'on devient imbu de soi-même. Lorsqu'on veut se glorifier de ce qu'on a obtenu par la grâce. Le syndrome de Lucifer. Corrompu par son travail. Corrompu par sa position. Ce jour-là, David a demandé qu'on fasse le dénombrement. Parce que la puissance des rois, c'est aussi fonction du nombre de sujets sur lesquels ils grègnent. Et quand David a fait le dénombrement, on croirait que c'est quelque chose d'anodin. On croirait que c'est quelque chose de banal. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu du haut de ciel s'est fâché contre David. David, qui t'a dit de faire le dénombrement? Choisis. Je vais te punir. Soit je te livre entre les mains de tes ennemis, soit je te frappe de la peste, soit je te frappe moi-même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Bien-aimés frères et sœurs, David a fait quelque chose qui politiquement semble bon. Administrativement, c'est une bonne idée. Mais spirituellement pour Dieu, Dieu a vu en David une germe. Dieu a vu en David une semence qu'il a vu en Lucifer. Une semence qu'il a vu en Nabucodonosor. Le roi qui veut devenir plus grand que eux-mêmes, qui veut se glorifier jusqu'à prendre la place de Dieu. Dieu a tué. Ceux qui sont morts ne sont pas les enfants de David. Ceux qui sont morts ne sont pas les neveux de David. Ceux qui sont morts, c'est le peuple d'Israël qui n'a rien fait. En d'autres termes, pour dire,
Prophétiquement parlant, lorsque Dieu traite avec une nation, il est plus attentionné aux actes des dirigeants qu'aux actes du peuple. Alors qu'est-ce que l'église doit faire? L'église doit entraîner le peuple à prier pour les dirigeants, pour que ces dirigeants ne soient pas la porte d'entrée d'une colère ou d'un jugement de Dieu contre nous. Parce que quand Dieu frappe, il ne tient pas compte des partis politiques. Quand Dieu frappe, il ne tient pas compte des origines tribales. Quand Dieu frappe, il ne tient pas compte des obédiences politiques, moins encore des plateformes passagères. Mais quand Dieu frappe, il frappe la nation parce qu'un roi s'est méconduit. Voilà pourquoi nous avons l'obligation prophético-apostolique, je vais l'expliquer de même, qu'est-ce que cela signifie, de prier pour nos dirigeants. Nous ne prions pas pour les dirigeants pour avoir l'argent. Nous prions pour les dirigeants afin de mettre nos enfants en sécurité. Parce qu'une nation peut être divisée à cause d'un dirigeant. Donne-moi un amen, je vais avancer. Je sens moi qu'il y a une colère sainte qui commence à monter. Donne-moi une bonne mélodie, Caleb. Zéakabashé. Reza karaboshe kandara. Zoto koroboshéke. Zaya kamanazike tekendorobosha. Zoto rebashe katakarabo satayaba. Remeke kai karaboshéke tarababa. Nous prions pour les dirigeants. Parce que nous savons des promesses. Dieu nous a dit qu'il nous bénira. Nous ne voulons pas que quelqu'un autour de nous. Bien mes frères et sœurs, nous sommes très attentifs à ce que font nos femmes, à ce que font nos enfants, à ce que font nos amis, pour qu'ils ne soient pas la porte d'entrée par laquelle le diable entrera pour détruire nos entreprises. Mais nous oublions, nous oublions qu'il existe une loi. Le royaume de Dieu est un royaume de loi. Le royaume de Dieu est un royaume de loi. Dieu donne des lois avant de donner la terre. Israël était encore dans le désert. Dieu leur a donné la loi. Pour dire, la loi est plus importante que la terre. En d'autres termes, la jouissance ou la prospérité de la terre dépend de l'observation des lois que Dieu vous a données. Quand vous oubliez vos lois, la terre ne vous appartient pas. Connaissez les lois, connaissez les lois, connaissez les lois, connaissez les clauses qui régissent l'alliance que vous avez avec Dieu. Donnez-moi un amen. Frère, à force de prier, à force de connaître, de lire la Bible, je commence à comprendre que chaque période électorale doit être précédée. C'est-à-dire avant que les institutions censées organiser les élections se mettent en travail, il faudrait que le VPA, le voie prophético-apostolique, c'est-à-dire l'onction, ces hommes et ces femmes, qui ont à la fois une vision prophétique et apostolique, doivent toujours anticiper les organes qui organisent les élections. Pourquoi? Parce que votre vie peut changer à l'avènement d'un nouveau pouvoir, à l'avènement d'un nouveau régime. Quelqu'un dit avec moi amen. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui sont des voix prophétiques et apostoliques. Ce sont des voix qui vont retentir dans la nation. Ils vont retentir. Leur nom n'est pas important. Leur taille n'est pas importante. Qu'ils soient courts, qu'ils soient grands. Qu'ils soient clairs, qu'ils soient noirs. Ce sont des gens. Leur dénominateur commun. Et tous ne parlent pas bien français. Tous ne sont pas à la tête des églises ou des ministères. Mais ils ont un dénominateur commun. C'est le fardeau qu'ils ont pour la nation. C'est le fardeau qu'ils ont pour la nation. Dieu leur révélera certaines choses que certains archibishops ne connaissent pas. Que certains pasteurs d'église ne connaissent pas. Parce que la révélation n'est pas fonction de la position. La révélation est fonction de la disposition. Dans le royaume de Dieu, la révélation n'est pas fonction de la position. Elle est toujours fonction de la disposition. Tu es disposé à prier pour moi, tu auras plus de révélations sur moi, plus que même ma mère. Karabo Shanda. Shekai Kabo Zekalabo Zitayaba.
Zike karabusa kandaraboshike. Zike kalaba site la laboshike. Re kandaraboshike. Les périodes électorales doivent être précédées par des saisons de prière, par des saisons d'intercession prophétique. Alléluia. Alléluia. Maïkalo sheketa lobo sheke. Il y a un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Israël. Un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Israël. Et le statut d'Israël a changé. Juste parce qu'il y a eu un nouveau pharaon qui ne le connaissait pas. En d'autres termes, si vous voulez que votre statut demeure le même, vivre paisiblement dans le pays où Joseph vous a laissé, rassurez-vous que le prochain pharaon vous connaîtra. Alléluia. Rassurez-vous qu'il connaît Joseph. Rassurez-vous qu'il connaît Dieu. L'heure est arrivée pour comprendre que cette nation appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir aux individus. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Aucun homme n'a décidé de la forme. Si les gens qui étaient à la table ronde de Berlin peuvent dire que c'est eux qui ont décidé de la partition de l'Afrique, aucun d'entre eux ne peut décider, ne peut dire qu'il a décidé de ce que Dieu a mis sous le ciel et de ce que Dieu a mis sur le sol. Pourquoi? Cela atteste que Dieu est l'architecte de la nation. Dieu est le garant de la destinée nationale. Et là où l'église est, l'église ne doit pas être observatrice. L'église ne doit pas être spectatrice. L'église est apolitique et ne doit pas faire la politique. La seule politique que l'église fait, c'est de prier pour se rassurer que la nation se dirige dans la direction de la destinée que Dieu a voulu pour nous. C'est-à-dire que si Dieu nous a destinés à la grandeur, nous devons veiller à ce que nous puissions prendre la tangente qui nous conduit vers la grandeur et non pas vers la bassesse. Si je parle à quelqu'un, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Karabo Sheke. Le royaume de Dieu est un royaume de loi. Il y a une loi dans le royaume de Dieu. C'est la loi de la représentativité spirituelle. La loi de la représentativité spirituelle. Ça, c'est une loi de Dieu. Maïkalo Sheka Tarobo Sheka. La loi de la représentativité spirituelle. Quand nous parlons de la conscience de la destinée nationale, frère, il faut comprendre. Dieu ne nous exige pas tous les mêmes choses. Dieu tient compte de la représentativité. C'est une loi spirituelle. Une des lois qui gouverne les nations, qui gouverne les familles. Maïka Lacheka. Zala korobo sheke. He kamana chika ikalo chotoba. Luze ketakana bara sandariaba. Zute katakarabo sekenderebe sheke. Lozo to yakamana zike takaraba sheke. La faiblesse de l'église du Congo, c'est que nous sommes devenus nous aussi des followers des actualités politiques. Nous sommes nous aussi devenus église. Ceux qui suivent, qu'est-ce qui se passe dans la nation? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle loi a été signée? L'église n'est pas appelée à suivre les informations. L'église est appelée à influencer la cour des informations. Maïkaraboshéke. Zote kaïkaraboshéke. Akaraboshé kandaraba. Karebese katariaba. On me fait signe qu'il est temps, mais je n'ai pas envie de finir maintenant. Shandaraboshéke. Resakaraba. L'église n'est pas là pour dire, ah, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Le dollar est à combien? Non. L'église n'accompagne pas le pays dans son échec. L'église arrête l'hémorragie. Cette femme a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. La nation n'a pas besoin de nous toucher parce que nous sommes dans la nation. Nous sommes plus que la robe de Jésus dans cette nation. Je dis, l'église, nous sommes plus que la robe de Jésus dans cette nation. Quand je dis église, je ne dis pas pasteur. Quand je dis église, je ne dis pas évêque. Quand je dis église, je ne dis pas prophète. Je ne dis pas apôtre, je ne dis pas docteur. Je dis église. Église.
cette église innombrable, cette église qu'on ne sait pas voir, mais cette église qui existe, car l'Éternel Dieu est présent. La loi de la représentativité spirituelle. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi, quand est-ce que tu as péché pour que tu sois privé de la gloire de Dieu? Tu as été privé de la gloire de Dieu avant de pécher. Je vais expliquer ça. Je ne suis pas pécheur parce que j'ai péché. Je pêche parce que je suis pécheur. Voilà pourquoi même un enfant qui naît sans avoir parlé, sans avoir fait quoi que ce soit, c'est un pécheur. Il ne pêche pas parce que, il n'est pas pécheur parce qu'il a péché, mais il est pécheur, voilà pourquoi il pêche. Comment péchons-nous? Parce que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comment? Par un seul homme, la loi de la représentativité. Par Adam, nous sommes tous devenus pécheurs. Laï. Par Adam, nous sommes tous devenus pécheurs. Par un homme, le péché est entré dans le monde. La loi de la représentativité veut aussi que quand Dieu veut restaurer l'humanité que Adam a détruite, Dieu n'exige pas le sacrifice à tous les milliards d'hommes sur la terre. Dieu ne exige pas à tous les hommes de se conformer pour réparer ce qu'Adam a sauvé. Ce que le premier Adam a détruit, il faut un deuxième Adam pour le réparer. Par un homme, le péché est entré. Par un autre homme, la grâce est venue nous sauver. Amen. La loi de la représentativité. Les enfants d'Israël ne vont pas se battre contre les Philistins. Pourquoi? Parce que le combat est déclaré tel que c'est un combat de représentants. Donnez-nous un champion, nous vous donnerons un champion. Quand est-ce que Israël a gagné le Philistin? Ce n'est pas quand Israël a combattu l'armée philistine. C'est quand les représentants d'Israël a gagné les représentants des Philistins, le combat a pris fin. Le reste, ce n'est que de la générique. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? La loi de la représentativité spirituelle. Beaucoup de gens n'avancent pas, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que les pères, leur papa, leur maman, qui a représenté la famille dans des transactions spirituelles, a fait quelque chose et il a condamné les autres. Vous n'êtes pas condamné parce que vous avez fait quelque chose. C'est la loi de la représentativité. Alléluia. Alléluia. Donc, les autorités ne sont pas que ceux qui passent avec des cortèges. Les autorités nous représentent aussi spirituellement. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour eux. Alléluia. 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 Oh my God, my God, my God. Cette nation appartient à Dieu. Je dis cette nation appartient à Dieu. Au cas où vous ne le savez pas, le Congo est victime d'un grand complot spirituel. On vous parle de complot des Américains, on vous parle de complot des Français, on vous parle de complot des Rwandais, mais on ne nous parle pas assez du complot que le diable lui-même est en train d'organiser pour que ce pays reste dans la misère et qu'on fasse de ce pays le foyer de l'œuvre du diable en Afrique. Mais une chose est vraie. Les prophéties sont là. Les promesses ne cessent d'être renouvelées. Dis Congo partira, la flamme qui embrasera l'Afrique pour l'évangélisation du temps de la fin. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné au Congo toutes les richesses, c'est pour que le Congo soit le bailleur de fonds des grandes agences de l'évangélisation du temps de la fin. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi la loi de la représentativité spirituelle. L'ennemi, ayant compris que cette loi en vigueur dans le royaume de Dieu opère très bien pour les familles, pour les églises et pour les nations, l'ennemi a fait des dirigeants sa cible. L'ennemi a fait des dirigeants la cible. Frère, vous savez, pour qu'une nation avance,
On n'a pas besoin de tout le monde. Le leadership. Ah, si tu me suis, écrit dans les commentaires leadership. Oui. Si tu me suis, écrit dans les commentaires leadership. Je veux voir. Écris leadership. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi leadership. Comment dis avec moi leadership. Nous avons tendance à croire que l'ennemi s'attaque à ce qui prie en langue, à ce qui concerne la destinée d'une nation. La cible, c'est le leadership. Voilà pourquoi Dieu donne l'onction à celui qui est sur le trône. Mais Dieu ne donne pas seulement l'onction au trône, Dieu s'arrange aussi que le trône soit entouré d'un autel. Pourquoi? Parce que la nature du trône n'est pas d'abord politique. La nature du trône est d'abord spirituelle. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous pouvez prendre 100 sorciers ba sangani ba lokamu konzamboka et simbarate? Vous voyez pourquoi ni simbarate? Vous savez pourquoi l'envoûtement contre un chef peut ne pas réussir? Vous promettez la mort mais il ne meurt pas. Sinon les dictateurs en Afrique seraient tous morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de toutes vos paroles, il y a une dimension spirituelle, il y a un fondement spirituel sur lequel se fondent, sont installés le trône. Et hier, je vous ai dit, la force du trône n'est pas dans la qualité de la personne qui est assise dessus. C'est dans la dimension de la flamme qu'il y a sur l'autel derrière. Derrière chaque trône, il y a un autel. Derrière chaque trône, il y a un autel. Derrière chaque trône, il y a un autel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le diable cible les chefs. Il cible les dirigeants. Il cible les dirigeants, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut prier pour ceux qui vous dirigent. Dieu aurait pu dire aux enfants d'Israël, ne vous en faites pas. Là où vous êtes, vous serez bénis. Jérémie 29, verset 7, il a dit. Priez pour la ville où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur en dépend. En d'autres termes, vous voulez être heureux, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de la ville où vous êtes. Mais comment est-ce que cette ville peut vous donner la paix et le bonheur? C'est quand vous apprendrez à prier pour elle et à prier pour ceux qui dirigent la ville. De manière à ce que les décisions qu'ils prennent n'éloignent pas la prospérité. Que les décisions qu'ils prennent ne vous placent pas dans l'insécurité. Que les décisions qu'ils prennent, my God. Oh Dieu puissant, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Même quand on est opposant, apprenez à prier pour les dirigeants. Même quand on n'aime pas celui, nous, ce n'est pas question d'aimer. C'est question de s'aimer d'abord soi-même. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je finis en disant ceci. La cible du diable, c'est le dirigeant. La cible du diable, c'est le roi. C'est Dieu qui choisit le roi. C'est Dieu qui choisit le roi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit le roi. Frère Herman Baki, c'est Dieu qui choisit le roi. Dieu lui choisit le roi. Alléluia. Dieu, il choisit le roi. Dieu se limite à choisir le roi. Mais Dieu ne choisit pas le collaborateur du roi. Le Dieu qui choisit le roi. Le diable sait qu'il ne peut pas triquer le choix de Dieu. Mais le diable sait qu'il peut triquer l'entourage du roi. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Et des fois, quand vous lisez bien dans la parole de Dieu, vous comprendrez ces règles-là. Ce n'est pas en vain que Jésus a prié pendant 40 jours avant de choisir le collaborateur. Car Jésus savait que l'avenir de mon ministère ne dépend pas de mon honnêteté ministérielle, ne dépend pas de mon honnêteté intellectuelle, dépend aussi de la qualité de ceux qui sont autour de moi. Amen.
Si Jésus a réussi à finir le ministère pendant 3 ans, c'est parce que parmi les 12, il y a eu un seul Judas. Imaginez-vous qu'il y avait 4 Judas. Jésus n'allait pas faire une année de ministère. Il n'allait pas faire une année de ministère parce qu'il aurait vendu très tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a cette loi-là. Le diable vise ceux qui sont autour du roi et c'est par eux qu'il passe pour noircir la sagesse du roi et le pousser à faire de mauvais choix. Alléluia. Alléluia. Roboam, fils de Salomon. Lorsque David s'est méconduit, Dieu a promis à David qu'il jugera David, mais non pas maintenant, il le jugera quand son fils sera au pouvoir. Salomon est venu au pouvoir. Dieu n'a pas trouvé de prétexte pour accomplir sa sentence sur le royaume d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Salomon est passé, Israël est resté un royaume uni. Roboam arrive dans 1 Roi chapitre 12. Il existait une prophétie qui a dit que le royaume sera divisé. Dieu n'a pas voulu le faire avec David. Dieu ne l'a pas fait avec Salomon. Mais comment Dieu le fait avec Roboam? Dieu l'a fait avec Roboam parce que Roboam a écouté. Au lieu d'écouter les collaborateurs de son père, les aînés, il ne les a pas écoutés. Il a écouté le conseil de ses amis. Alléluia. Il a écouté le conseil de ses amis. Bien-aimé, la prospérité d'une nation ne dépend pas seulement du trône, mais dépend aussi de la cour. Yakayobo dépend aussi de la cour. Le roi choisit ses collaborateurs et c'est là où l'ennemi profite. Il s'arrange à ce qu'au côté du roi Roboam, qu'il y ait des amis, des fêtards, qui disent à Roboam, Roboam, pourquoi tu as peur du peuple? Fais-le souffrir. Fais comme Machiavel avait dit dans son livre Les Princes. Un prince n'a pas besoin d'être aimé, il doit être créé. Fais souffrir le peuple. Et en faisant cela, une rébellion. 10 tribus ont dit, nous ne voulons plus de Roboam. Nous ne voulons plus marcher avec vous. Ils se sont dissociés et le royaume s'est divisé. À cause de qui? À cause du roi qui a écouté des collaborateurs envoyés par l'ennemi. Voilà pourquoi il faut prier pour les dirigeants, pour qu'ils aient en eux un discernement. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Quelqu'un dit avec moi, Amen. La cible du roi, la cible de Dieu. Dieu choisit le roi, l'ennemi cible le roi et il s'arrange pour passer. Frère, le roi c'était Akab. Le roi c'était Akab. Mais à cause de l'entourage d'Akab, Jézabel, le pays a connu des abominations. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a influencé. Regardez ce qui se passe avec le roi Assuérus, le mari d'Esther. Cet homme qui a vu Esther une première fois est tombé sous le charme de cette bellissime fille déportée d'Israël. Esther est en sécurité. Le peuple d'Esther est en sécurité. Mais quand est-ce que les enfants d'Israël seront en insécurité? C'est parce qu'à côté du roi, il y a un homme qui s'appelle Aman. Bien-aimé, moi je l'ai dit et je le redirai toujours. Priez beaucoup pour les nations africaines. La plupart des nations africaines ont eu des chefs animé de bonne foi et de bonne volonté. Certains sont venus des églises, mais les collaborateurs, 80%, sont venus des loges. À côté d'un Assuérus, il y a toujours un Aman. La prière, c'est que Mardoché prenne la place d'Aman. Jamais dans la Bible, il y a eu un problème entre Daniel et le roi. Jamais. Jamais. Lisez bien votre Bible.
Jamais il y a eu un problème entre les amis de Daniel et le roi. Toutes les fois où Daniel a eu des problèmes, ce n'était pas à cause du roi, à cause des collaborateurs du roi. Quand on a dit qu'on devait construire une statue en l'honneur du roi et que tout le monde devait adorer, ce n'était pas une idée qui vient du roi, les collaborateurs. Alléluia. Et regardez ce qui se passe avec Daniel. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Il faut toujours prier, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier pour nos dirigeants. Qu'ils écoutent le conseil de Dieu. Qu'ils aient à leur côté des femmes, comme la femme d'Hérode, qui est venue dire à Hérode, cette nuit je n'ai pas dormi. La femme de Pilate. Elle dit, ne te mêle pas de cette affaire. Cet homme que tu juges est un saint homme. Il existe une guerre des autels autour du trône. Il existe une guerre des autels autour du trône. Il existe une guerre des autels autour du trône. L'Esprit me dit de les répéter encore. Il y a certaines difficultés que les nations connaissent qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir avec la politique. Cela a d'abord à voir avec le spirituel. Alléluia. 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 Ainsi parle le Seigneur. Il est lui-même en train de susciter une armée d'intercesseurs. L'Éternel est en train de susciter une armée d'hommes et de femmes dont la vocation consistera à prier pour la nation. Ils sont tellement épris de la destinée nationale qu'ils prieront jusqu'à voir le salut venir sur la nation. Alléluia. Ils prieront pour que les Haman cède la place au Mardoché. Les Haman, leur vision, c'est de dire au roi, tu es puissant. Roi, on déversera de l'argent dans ta caisse. Mais laisse que ce peuple soit tué. Et le peuple que l'on veut tuer, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. La reboche ketakara. Frère, le combat est d'abord spirituel. Laissez les politiques faire la politique. Laissez les juristes s'occuper du droit. Vous qui avez la voix prophétique, vous qui avez l'onction apostolique, prosternez-vous devant Dieu. Allez devant la brèche. Élevez la nation devant l'Éternel et implorez la miséricorde. Implorez la bonté de Dieu. Que l'Éternel Dieu étende sa main et qu'il nous fasse vivre sa bonté au nom de Jésus. L'Éternel est en train de lever une génération d'hommes et de femmes. Certains ne sont pas pasteurs. Certains ne sont pas pasteurs. Certains ne sont même pas dans les ministères. Mais ils ont un fardeau pour la nation. Ils entendent de Dieu les directives. Ils n'ont pas besoin de passer dans des réseaux sociaux pour dire ce que Dieu leur a dit. Certains n'auront même pas le micro. Alléluia. Mais Dieu est en train de susciter une génération. Et l'Éternel m'a donné 4 signes. L'Éternel m'a donné 4 signes qui accompagneront cette génération des hommes qu'il appelle de voix prophétiques et apostoliques. Des voix prophétiques et apostoliques, ce ne sont pas des personnes, ce sont des voix comme Jean-Baptiste qui était la voix qui criait dans les déserts, qui disait aplanissez le chemin. Le chemin est en train d'être aplani. Un nouveau Congo est en train de venir. Ce Congo n'a rien à voir avec la politique. Ce Congo n'a rien à voir avec les alliances politiques. Ce Congo sera le résultat de
c'est la pensée éternelle de Dieu. La pensée éternelle de Dieu. Il a décidé que c'est maintenant le moment. Il a décidé que l'heure est arrivée. Il a décidé que l'heure est arrivée. Le dessein de Dieu pour cette nation s'élève au-delà des alliances politiques. Le dessein de Dieu pour cette nation s'élève au-delà des conflits politiques. Le dessein de Dieu pour cette nation s'élève au-delà des limites des pasteurs, s'élève au-delà des limites de la population. Dieu a un plan. Dieu a un plan. J'entends la voix du Seigneur monter dans mon esprit et il me dit, fils de l'homme, prophétise. Il me dit, fils de l'homme, prophétise. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, dis à mon peuple, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de prospérité. Projet de prospérité. Projet de prospérité. Vous mangerez le poisson du lac Albert. Vous mangerez le poisson du lac Kivu, du lac Tanganyika. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous jouirez des minéraux que je vous ai donnés. Vous jouirez des minéraux que je vous ai donnés. Car je suis l'éternel Dieu. Car je suis l'éternel Dieu. La politique n'est pas ma sous-traitance. La classe politique n'est pas ma sous-traitance. Les prédicateurs ne sont pas toujours mes instruments. Je suis capable de me surpasser de toute personne qui empêche à mon dessein de se voir, de se manifester. Et je déclare, l'heure est arrivée. Je dis, l'heure est arrivée. 2020 demeurera l'année de la renaissance. 2020 demeurera l'année de renaissance. Vous allez voir que je suis l'éternel Dieu, capable de créer une rivière en plein milieu du désert. Je suis capable d'aplanir les montagnes. Je suis capable de combler les collines et les vallées, car je suis l'éternel Dieu. 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 Mon église ne recevra plus les informations. Elle influencera l'actualité. Mon église n'entendra pas qu'est-ce que les hommes politiques ont dit, mais les politiques viendront consulter la voix de l'éternel. Ils viendront vers l'église pour dire qu'est-ce que l'éternel est en train de dire. Qu'est-ce que l'éternel est en train de dire? L'onction prophétique de l'église repose sur sa capacité à prier pour la nation. L'autorité de l'église ne vient pas de voitures. L'autorité de l'église ne vient pas des habits, ne vient pas des titres, mais vient du fardeau que cette église a pour la nation. Plus l'église priera pour la nation, plus l'éternel Dieu donnera à la nation des orientations par l'église. L'heure est arrivée. La nation a été dédiée à l'éternel et plus personne ne pourra la récupérer. La nation a été dédiée à l'éternel et plus personne ne pourra la récupérer. Au nom de Jésus, l'œil de Dieu est sur cette nation. L'œil de Dieu est sur cette nation. L'œil de Dieu est sur cette nation. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Aucun politicien n'a participé dans le conseil de Dieu pour élaborer la destinée de cette nation. Aucun homme politique, aucun homme religieux, aucun acteur culturel, aucune autorité, aucun homme d'affaires, même pas une chancellerie dans ce monde ne peut décider de ce que le Congo sera demain. Nous sommes une nation choisie. Nous sommes une nation choisie. Un peuple mis à part. Un peuple atypique. Dieu nous a créés différents. Dieu nous a donné des choses différentes. Et j'annonce aujourd'hui, dans le nom de Jésus, 2020, en dépit du coronavirus, en dépit de toutes les tergiversations politiques, je déclare au nom de Jésus, 2020 sera l'année de la renaissance. 2020 sera l'année de la renaissance. 2020 sera l'année de la renaissance. La renaissance d'une nation. Un géant va se relever. Un géant va se relever. Un géant va se relever. Et l'on saura que cette œuvre n'est pas l'œuvre des politiques, c'est l'œuvre de l'éternel Dieu lui-même. Cette œuvre n'est pas l'œuvre des politiques, c'est l'œuvre de l'éternel son Dieu. Même si les hommes de Dieu sont imparfaits, même si les hommes de Dieu tombent et qu'ils retombent encore, nous savons une chose, l'auteur de notre destinée, le garant de notre destinée, il est parfait. Il est parfait. Quand il a créé le Congo, il n'y avait pas d'église. Quand il a élaboré une destinée pour le Congo, il n'y avait pas une église. Alléluia. Une génération s'élève. Première caractéristique à cette génération, elle a une lucidité prophétique.
Elle voit ce que les politiques ne voient pas. Elle voit ce que les analystes ne voient pas. Elle voit la vie là où tout le monde voit la mort. Elle voit la vie là où les experts voient la fin. Elle voit les nouveaux commencements là où tout le monde voit la finalité. Cette vision, elle est prophétique. Elle sait faire l'autopsie de son église. Elle sait faire l'autopsie de la nation pour savoir où est-ce que les choses ne vont pas. Ici, nous devons nous repentir. Ici, nous devons nous repentir. Alléluia. Alléluia. Deuxième caractéristique de cette race d'hommes que Dieu est en train d'élever maintenant, ils ont une combativité spirituelle. Ils livrent des batailles spirituelles et ils les gagnent. Quand tout le monde est scotché dans les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe en politique, et ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, et ils sont dans les réseaux célestes. Ils sont en train de discuter, de débattre pour le sort de la nation. De la même manière que Abraham est en train de débattre avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorre, pour que son frère Lot ne soit pas tué dans Sodome et Gomorre. Ainsi, il y a une race d'hommes et de femmes. Ils se battent comme Jacob s'était battu avec l'ange. Ils se battent avec des esprits. Ils se battent avec des géants. Des géants qui veulent voir le Congo divisé. Des géants qui veulent détruire le Congo par le tribalisme. Ils font taire l'esprit du tribalisme. Il faut taire l'esprit de la corruption. Il faut taire tout esprit de la malédiction, esprit de rébellion. Tout esprit qui fait qu'on puisse exposer la nudité des hommes de Dieu, connaissant bien leur implication sur la nation et sur la société. Koroboshaka. Troisième caractéristique de cette race. Écoutez-moi, Église. Troisième caractéristique de cette race, c'est que ces races d'hommes, cette race d'hommes et de femmes, auront accès à la cour. Ils n'iront pas à la cour parce qu'ils prient beaucoup. Le diplôme qu'ils ont sera le prétexte. Ils iront comme Joseph. Ils iront comme Daniel. D'abord pour leur expertise. Mais ils sont eux-mêmes des autels divins. Ils arriveront là-bas. Ils vont contrecarrer les autels de francs-maçons. Ils vont contrecarrer les autels de rosicriciens. Ils vont contrecarrer les autels sataniques qui opèrent pour rendre culte à Dieu, au diable. Ces hommes et ces femmes ne seront pas seulement là-bas parce qu'ils sont experts. Ils vont y aller parce qu'ils ont une expertise, mais aussi parce qu'ils ont une onction. Yekamana sheka. Le karabo sheke. Zaya Karaboshike. Hey Karabosokoroboshike. Ils vont aller à la cour. Voilà pourquoi j'ai dit Église, étudiez. Église, étudiez. Ma prière est que dans les 8 prochaines années, que l'Église de mon pays ait au moins 20% de professeurs d'université sortent de l'Église. Si nous avons des étudiants, il n'est pas normal que nous manquions de professeurs d'université. Si nous prêchons dans des universités, sur des campus, il n'est pas normal que nos enfants ne terminent qu'à la licence et qu'ils reviennent. Qu'ils continuent. Maïkaraboucheke. Et qu'il brille par l'exemplarité. Qu'il brille par le savoir, comme la Bible le dit de Daniel, dans toutes les questions auxquelles que le roi lui soumettait, Daniel s'est révélé 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. J'ai vu aujourd'hui, à la télé, dans la chambre qui compose, qui préside les procès de 100 jours, il y a un qui est pasteur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que Dieu nous aide. Papa Mokolo, qui a prêté serment hier comme président de la Cour constitutionnelle, je le connais personnellement. Je connais son église. Je connais son pasteur. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu est à l'œuvre. Je dis Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que Dieu ne fait rien. Même quand vous ne voyez pas, Dieu fait quelque chose. Vous plantez la semence, vous allez dormir. Mais vous serez surpris demain matin de voir la semence à germer. La prière que nous avons faite à l'Éternel va germer. La prière du 23 juin au stade de Marty, cette prière-là restera dans les annales. Elle restera dans les annales. Le sang de Polakate, prière de Koufakate, Nzamba Congo Azana Bomboy. Ah, Karaboshi. Quatrième caractéristique, Dieu va répondre sur cette nation. Sur l'église de ce pays, une caractéristique, la prospérité.
Dieu va bénir l'église. Dieu va distinguer l'église dans une vie de pureté. Et celle-ci sera soutenue par une vie de bénédiction. L'église va construire des écoles. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Karabo sheke tarabo shakandarabo. Dites un mot là où vous êtes. Vous êtes à Londres. Maman Blandine, dites un mot à Dieu. La sœur Joël Makangu, Maman Cynthia là-bas, Ndola. Je veux que tu commences à prier avec moi là en Zambie. Que Dieu prie. La sœur Clarisse là-bas à Montréal. Je prie que Dieu prie. Prie avec moi pour le Congo. Prions pour la nation. Que Dieu donne la sagesse. Que Dieu donne la sagesse. Dieu donne la sagesse à nos dirigeants. Que Dieu leur donne l'amour du prochain. L'amour pour la nation. L'amour de la vérité. L'amour de l'intégrité. Alléluia. Maman Linda Bolebe. Ah, que Dieu te bénisse, Maman Linda Bolebe. Là-bas en Belgique, avec Tantine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Papa Mike. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Orabobo sakarabo sheke, rezaka yakabarababa, zikende kerebe sheke. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse notre nation. Nous aussi, on veut frapper la poitrine. On veut se frapper la poitrine en disant, nous avons un pays béni. 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 Lokorobobo. Une génération s'élève. Et j'ai prié que vous fassiez partie de cette génération. Vous qui avez entendu ces messages, vous faites partie de cette génération. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu garde le chef de l'État. Nzamba bomba mokonzamboka. Ah, il y a que la rosa la prière dans le stade. Il y a que kabamboke pa nzambe. Nzamba bomba ye. Akoba na ye. Apesa ye mayele. A mayele ya ko composer ndenge sengeli. Mayele ya ko avancer. Mayele ya ko faire avancer mboka. Na kombo na Yesu Masia. To bondele au nom de Jésus. Nous continuons demain à 19h. Que Dieu vous bénisse. Ciao.